La fête du comédien, oui. Ça a été la première, d'ailleurs, instaurée à Genève par Luchaire et avec les appuis de la ville. Et on m'a proposé d'être ce premier lauréat qui était destiné aux comédiens d'abord, puis après qui est un peu étendu à, disons, à la femme et à l'homme de théâtre. On peut être metteur en scène, on peut. Bon, mais il faut quand même avoir joué. Voilà, j'ai beaucoup joué. Et donc, c'est honorifique. C'est surtout, moi, je trouve, c'est pas le prix lui-même faible, d'ailleurs, et puis peu importe, d'ailleurs, mais c'est qu'on retrouve des gens, c'est vraiment une fête, en quelque sorte, c'est-à-dire, ce sont des retrouvailles, ce sont des plaisirs partagés par ceux qui sont là, puis aussi par ceux qui s'excusent de ne pas pouvoir être là, parce qu'ils répètent, parce qu'ils travaillent, parce que, etc., etc. Donc il y a une sorte de convivialité, on peut dire, c'est le mot, une sociabilité qui s'instaure simplement à travers l'idée d'une fête. Je pense que cette soirée reste marquante pour moi, oui. C'est un moment agréable. Bon, je ne passerai pas ma vie à fêter. Simplement, j'essaierai de raisonner cette question-là.